Le mercredi 17 décembre, trois élèves de la classe média se sont rendus au studio France 3 à Bordeaux. Ils venaient présenter un reportage qu'ils ont réalisé dans le cadre du projet Vidéo Bahut. Un monsieur nous a d'abord expliqué la zone de diffusion de France 3. Ça, c'est administratif. Ouais. En termes de diffusion, donc nos journaux, il y a une diffusion sur le Poitou-Charentes, une diffusion sur le Limousin. Nous sommes allés sur le plateau de France 3 avant que le journal du midi commence et nous avons rencontré Sandrine Papin, la présentatrice. Nous nous sommes rendus dans la salle technique pendant le tournage. Une personne comptait le temps entre le plateau et pour mettre le sujet de France 3 à l'écran et d'autres personnes pour rectifier les images. Le conseil général du Lot-et-Garonne annonce l'implantation d'un village de vacances Saint-Terpin, village du bâti de Blanquefort. Nous font découvrir le CAP Tonnellerie. Le reportage. Top. Reportage fait par la classe média a été diffusé sur France 3. Alors 25 secondes plus 10, 25 plus 10 de générique. Les élèves du CAP Tonnellerie effectuent les différentes étapes de fabrication du bain. Donc pieds, on le fait sur la 3. Puis les réchauffent avant de les assembler. La 3, puis la 2 pour les illuminations de Noël. Un élève du CAP a accepté de nous présenter sa part. C'était passionnant de voir tous les techniciens au travail. On fait pas tout ce qu'on veut puisque Paris nous donne le créneau au niveau des régions. Bordeaux qui affronte Lille ce soir dans le Nord. Cette visite a été très intéressante.